service et l'émergence en s'appuyant sur des réalités locales avec la musique El Carnero de Palacio et Espérion 15. Paraissent vieux avant même de sortir de l'adolescence. Aujourd'hui, je vais honorer quelqu'un qui, né au début du siècle dernier, a dans ses yeux, des yeux magnifiques d'ailleurs, pétillants d'intelligence, une flamme qui brûle de tous les feux, celle d'une jeunesse éternelle. Vous connaissez aussi le curieux de tout, qui a un appétit immense de vivre son époque. Et qui garde toujours l'envie de vivre ses rêves, qui garde aussi les yeux grands ouverts pour avancer. Cet homme, ce monsieur, à qui je m'adresse avec beaucoup de respect et d'admiration, il s'agit de Jean Canal, né à La Vlanée, le 22 décembre. Afin que nous puissions célébrer ce mariage. En tout cas, la calèche est magnifique, je crois que les mariés aussi, bien évidemment, mais enfin, tout l'attelage est superbe, et donc... Bien. Mais non, vous allez rester devant moi, c'est plus simple. Enfin, je pense, oui. Hein? Non, non, si on le fait dedans, c'est trop petit, donc... Voilà. Allez. Alors, le maître de cérémonie, M. Blasi, pourrait organiser... on va demander à la calèche, sans écraser notre philharmonique qui est extraordinaire. Voilà, tous les deux devant moi. Bien sûr, les termes sont appropriés à l'époque de cette année-là. C'était dans les années 1796. Donc, je vais vous faire lecture de l'acte de mariage, puisqu'ils sont supposés m'avoir dit oui aux questions traditionnelles. Donc aujourd'hui, 26 Vendémiaire en 4 de la République française, 8h après-midi, par devant moi, Étienne Tarnot, officier municipal de la commune de La Vlanée, département de l'Ariège, faisant les fonctions d'officier public de la dite commune, à l'effet de constater les naissances, les mariages et décès des citoyens. On comparut dans la salle publique de la maison commune pour contracter mariage. D'une part, le citoyen Jean-Baptiste Pascal Dumont, ici représenté, cultivateur propriétaire domicilié à Chalabre, âgé de 25 ans, fils légitime et majeur du citoyen Jean-Pierre Dumont, officier de santé, et de feu Jeanne Poulérier de la commune de Chalabre. D'autre part, la citoyenne Germaine Faux, âgée de 25 ans, fille légitime et majeure du citoyen Jean-Baptiste Faux, négociant, et de la citoyenne Anne Nadal de cette commune, lesquels futurs époux étaient accompagnés, ici présents également, des citoyens Jean-François Faux, frère de ladite Germaine Faux, âgée de 41 ans,
du citoyen, il a pris un coup de vieux, mais bon, ça se voit pas. Du citoyen Mathieu Faux, frère de ladite Germaine Faux, âgé de 31 ans. Du citoyen Pierre Dumont, officier de santé du dit Chalabre, âgé de 55 ans, père du dit Jean-Baptiste Pascal Dumont. Et de la citoyenne Marie Foncarny, âgée de 28 ans, épouse du citoyen Mathieu Faux de cette commune. Moi, dit Darnaud, officier municipal, après avoir fait lecture en présence des parties et des témoins, premièrement, de l'acte de naissance du citoyen Jean-Baptiste Pascal Dumont, en date du 15 avril 1770, qui constate qu'il est né à Chalabre du mariage légitime entre Pierre Dumont et Jeanne Poulérier, surnommé. Deuxièmement, de l'acte de naissance de la citoyenne Germaine Faux, en date du 29 avril 1771. Ça porte bien, hein? Pourtant qu'elle est née en cette commune du mariage entre le dit citoyen Jean-Baptiste Faux et Anne Nadal. Troisièmement, de l'acte de publication de promesses de mariage entre les futurs époux, dressé par moi, dit Darnaud, et affiché à la porte de la maison commune de ce lieu le 24 du courant. Quatrièmement, de l'acte de publication de promesses du susdit mariage dressé par le citoyen Jean Monnier, officier public de la commune de Chalabre, et affiché à la porte de la maison commune du dit lieu, le lundi, jour 24 du mois courant. Et à part... Voilà. À la bise, pardon, moi. Félicitations, alors, j'avais pas compris, pardon. Voilà, donc, un beau mariage avec des bicentenaires qui se portent, ma foi, bien. Mais encore une fois, la mémoire a été rattrapée. Et je crois que c'était un beau mariage. Et maintenant, je crois que dans ces occasions, c'est musique, s'il vous plaît. Merci à tous, en tout cas.